Dans cette vidéo, on découvre ensemble la ruée vers l'or sur la route arc-en-ciel. Je vous donnerai quelques astuces. Ensuite, je lancerai une course sans la jouer pour voir le minimum de pièces d'or qu'on récupère. Et enfin, j'achèterai les 3 packs de la saison. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Romain.live. Gertrude pour vous servir. Les amis, j'espère que vous êtes confortablement installés. Vérifiez que la batterie de votre device est chargée à bloc. Bonjour à vous les pilotes et déglingueurs de store de Mario Kart Tour, une vidéo consacrée à la nouvelle ruée vers l'or, la ruée vers l'or sur la route arc-en-ciel. Elle est magnifique les amis, je vous filerai quelques astuces et on va la tester sans la jouer pour voir quel est le minimum de pièces d'or qu'on peut réussir à faire. Les amis, je compte sur vous, massacrez-moi les pouces bleus, déglinguez-moi les pouces bleus, vous êtes les meilleurs de l'univers. Et pour les nouveaux, abonnez-vous et mettez la petite cloche, gros pack opening en live qui arrive les amis, il faut absolument recevoir la notification. Allez on est parti, vous savez donc, on me pose souvent la question comment accéder à la ruée vers l'or, certains d'entre vous ne le savent toujours pas. Et bien il suffit de regarder tout en haut votre écran de jeu, vous avez votre nombre de pièces d'or, et juste à droite du nombre de pièces d'or, vous avez un rond blanc ou gris avec un petit plus, et ben vous cliquez dessus et vous accéderez donc à la ruée vers l'or. Là on teste donc la plus petite ruée vers l'or. J'avais un ticket gratuit d'ailleurs et on va voir un petit peu combien de pièces d'or je vais récupérer. Elle est un petit peu plus compliquée hein, que la ruée vers l'or de la saison passée à New York, cette ruée vers l'or de la saison Tokyo, mais ça va, ça reste hyper facile à jouer. Technique, vous n'utilisez pas le démarrage turbo les amis, autant y aller tranquillement, prudemment. N'essayez pas de déraper, je vous conseille vraiment d'enlever le dérapage manuel. Et évitez vraiment de déraper pour accélérer en fin de virage. Et vous restez pendant toute la course au milieu de la piste et vous allez récupérer comme ça un maximum de pièces d'or, c'est-à-dire autour de 400. Si vous faites un au-dessus de 390, c'est déjà très bien. Donc voilà, regardez, la ruée vers l'or en x2, elle est faite, donc 399 pièces multipliées par 2, c'est ce que je vais récupérer, donc 798 sur cette première ruée vers l'or. Cette vidéo, elle vous permet vraiment de découvrir la piste avant de vous lancer dedans. Vous qui êtes peut-être free-to-play, qui ne souhaitez pas dépenser beaucoup de rubis, ça vous permet comme ça de ne pas les gâcher et d'être averti de ce qui va se passer. Voilà à quoi elle sert cette vidéo. Allez, on va lancer la suivante. Donc regardez, hein, démarrage tranquillou les amis, tranquillou. On ne cherche pas à faire un démarrage rapide, ça sert strictement à rien. Et vous voyez la ligne centrale de la piste arc-en-ciel, eh ben, j'essaye de la garder pendant toute la course. Restez au milieu, comme ça vous allez récupérer toutes les pièces. Les pièces elles sont aimantées les amis, hein. Elles viennent toutes seules à vous. Hein. Mais par contre, si elles sont un petit peu trop loin de vous, eh ben, vous ne les récupérez pas. D'où la nécessité de rester au milieu. Vous voyez là je suis un petit peu trop à gauche. J'en ai peut-être raté une ou deux. Et les rouges, vous savez que les pièces rouges, elles valent deux fois plus. Hein. Donc très très important de rester au milieu. Là, je crois que... Oui, aïe aïe aïe, là j'arrivais un petit peu trop vite. Malheureusement, on n'a pas de frein. Hein. Là, j'essaye de me recaler. Et là, c'est très très important. Prenez le... Voilà. Prenez le tremplin, les amis, avec l'accélérateur. Ça s'est bien passé. Recentrez-vous rapidement, rapidement. Et gardez le contrôle. Et c'est le 400 pièces d'or. C'est magnifique. Est-ce que vous l'utilisez, vous? Est-ce que vous en faites des ruées vers l'or? Dites-le-moi en commentaire, hein, n'hésitez pas. Hein. Donc là, c'est le 400 x6, donc c'est juste parfait. Les pièces d'or sont capitales hein, pour le jeu. Hein. Ça fait 2400 pièces d'or. On récupère déjà quelque chose de sympa dans le store à 2400 pièces d'or. Hein, puisqu'on a... Et là, on va se tester le x10 à 25 rubis, les amis. Mais à 2000 pièces d'or, on a une carte rare dans le shop, hein, n'importe laquelle. Hein, donc c'est vraiment... rien que celle-là, elle est magnifique pour récupérer une rare. Et là, on est reparti. Donc vous voyez, j'accélère pas. Tranquille. Derrière, les amis, hein, restez. Parce qu'on va se tenter une course, les amis. Ça, je crois que c'est, je suis le premier à le faire sur Terre. Où je ne vais pas jouer. Je voulais connaître le minimum de pièces d'or qu'on pouvait récupérer sans jouer. Donc vous allez voir, il y a juste une petite astuce, je sais même pas si elle change quelque chose ou pas, mais en tout cas voilà, moi pour vous faire la course sans la jouer, j'ai laissé tout simplement mon Mario Gold, mon Mario d'or jouer tout seul, donc il a frôlé le côté de la route tout le long, pour voir quel était le minimum de pièces d'or et quel est le risque maximum que vous prenez en jouant donc cette ruée vers l'or. Sur cette piste, hein, bien sûr, puisque sur une autre piste, à mon avis, le résultat sera différent. Là, j'ai fait 398, donc vous voyez, j'ai fait 399, 400, 398. Je pense que c'est à peu près ce à quoi vous devez vous attendre.
Et si vous êtes meilleur que moi, vous ferez peut-être encore un petit peu plus. Je sais pas si j'en rate beaucoup. En tout cas, là, c'est le 3980 pièces. Allez, là, on va aller chercher les 60 000 pièces d'or, les amis. 60 000 pièces d'or, ça, c'est la régalade. Hein. Ça, c'est du gavage. Donc, je relance une course en x10 à 25 rubis. Et je vais essayer de faire mieux. Quel est le maximum que je vais pouvoir faire? Je sais pas. J'espère faire un petit peu mieux. Allez, c'est parti. Donc, je rappelle les astuces. Pas de démarrage turbo, ça sert strictement à rien. Vous restez bien au centre toute la course. Vous ne faites pas de dérapage dans les virages. Franchement, roulez le plus lentement possible. C'est pas la course, elle n'est pas chronométrée cette course. Vous n'aurez pas plus de pièces si vous allez vite. Au contraire, roulez prudemment, restez bien au centre, sur la partie centrale de la piste, de la route arc-en-ciel, et vous allez comme ça établir à peu près un 400 pièces d'or. Juste après, les amis, je vous le redis, on va se tenter une course en jouant. Sans jouer justement, pour voir quel est le minimum de pièces qu'on récupère sans rien faire sur cette ruée, pour voir, et vous allez le découvrir, je suis sûr que c'est rentable même de rien faire. Dans tous les cas, la ruée vers l'or, c'est un passage obligatoire du jeu pour pouvoir acheter des choses dans la boutique. Et ben c'est le 399, c'est pas mal les amis, hein. Ça fait 3990 pièces d'or en une course, c'est presque deux cartes rares dans le shop, donc c'est vraiment cool. Allez, c'est le moment, les amis. Maintenant, on va aller dans les options. Voilà, je récupère mes 3990 pièces d'or. Et là, maintenant, on va aller dans les options et je vais vous montrer. On va faire un tout petit réglage et on va lancer une game en ruée vers l'or sans la jouer pour voir quel est le minimum qu'on va obtenir en pièces d'or. Ça vous permettra comme ça de vous rassurer certainement. Regardez, je vais dans les options. Et je mets conduite assistée, les amis. Et je vais rien toucher. Je vais lancer la game et je vais rien faire. On part en conduite assistée. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Allez, je fais un x2 quand même. Je prends pas des risques énormes parce que c'est la première fois que je fais, les amis. Allez, go. J'achète 5 rubis et on lance la partie. Et on va laisser Mario Gold jouer tout seul, les amis. Oui. Et on va voir combien on obtient, à mon avis, entre 200 et 250. J'en suis quasi certain. Et après, donc, cette course... On part sur l'achat des packs, les 3 packs de la saison, le pack offre, le pack Harmony et le pack de Diddy Kong. Regardez-moi ça, je ne joue pas. Donc mon perso, il reste, mon pilote et mon kart, il reste collé sur le côté gauche, puisque forcément, je ne tourne pas. Regardez, je suis à 88 pièces. 98 pièces. Hop, il se retrouve bloqué de l'autre côté. Mais il en récupère, hein, 108. Combien on va faire à votre avis? Combien on va obtenir de pièces à la fin de cette course? Si je fais 399, je pleure. Ça veut dire que quand je roule pas, il se passe la même chose que quand je conduis. 175. Mais on va les dépasser les 200, c'est obligatoire. Est-ce qu'il va prendre le tremplin ou pas? Mais non! Mais j'ai pas tourné, les amis! C'est le pilotage automatique! 278. Il va dépasser les 300. On va dépasser les 300 sans rien. 310 pièces d'or. C'est-à-dire que... Si vous êtes à 25 rubis, vous faites 3100 pièces d'or sans rien branler, les amis, c'est incroyable. Bon bah voilà, on l'aura testé, on l'aura fait ce test ensemble, 310 pièces d'or. Donc vous allez faire entre 310 et 400 pièces d'or. Franchement, c'est pas flippant, hein. Ça vous enlève vraiment la petite pression de lancer la course, parce que je sais que des rubis, vous en avez pas tous énormément, hein. Vous êtes nombreux à être free-to-play. En tout cas, voilà, je récupère 620 pièces d'or sans rien faire, les amis. Et là, on va partir en petit déglingage de store. Donc ça, je l'ai enregistré et je l'avais fait en début de saison, les amis. J'ai acheté le pack offre. Le pack offre, regardez, dedans, on a 5 rubis, des tickets d'objets et des tickets d'étoiles. Donc allez, ça, c'est le pack offre, c'est la petite offre à 2,29€. Encore une, ils écrivent, c'est-à-dire qu'il n'y en a qu'une, hein, il y en a qu'une de chaque... Quoi, il n'y a qu'un pack de chaque... Allez, c'est parti, on achète. Toujours le petit temps d'attente, là. Allez, 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 qu'est-ce que c'est de ça? Ok, les tickets d'étoiles, on en récupère 2. Les tickets d'objets, on en récupère 3. Est-ce que vous les utilisez, les tickets d'objets, en course? Moi, de temps en temps, quand je sens que je fais une course énormissime, eh ben, j'utilise un ticket d'objet dans la course pour pouvoir essayer de battre mon record. Je sais pas si vous l'utilisez comme ça, vous ou pas. Mais dès que je commence une course et que j'ai déjà une frénésie rapidement et que je sens que je fais une belle course, je me dis c'est bon, c'est l'heure de faire un... Vous savez que mon record, il a plus de 19 000, quasiment 20 000 points sur une course. Hein. Et ben je l'ai utilisé. Hein. On va s'acheter maintenant le pack de Harmony à 21,99€. Allez, c'est parti. Ça me manque un petit peu de surprise, ces packs, je trouve. Il faudrait qu'il y ait quelques objets...
surprise. En tout cas, ça m'a permis de débloquer Harmony, un personnage de l'univers de Mario que j'adore, de Mario Kart que j'adore. Donc ça, c'est fait. On a Harmony avec son anneau turbo, qui est franchement un pouvoir génial dans le jeu. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous avez eu la chance de la débloquer. Dites-le moi en commentaire. Et 45 rubis, et ben ça, on valide. Hein. 45 rubis, les amis, c'est tout simplement 10 tirs de tuyaux. Hein. Donc ça, voilà, c'était le pack de Harmony. Et on va finir enfin en prenant le pack de Diddy Kong à 43,99€. 90 rubis, les amis, 90 rubis, ça fait tout simplement 20 tirs de tuyaux. Diddy Kong, on va le récupérer une fois, et puis un ticket presto. Et les tickets presto, putain, si je pouvais en acheter plein, parce que là, je suis bloqué sur la nouvelle saison. Il manque 2 tickets presto pour débloquer toutes les courses. Donc les tickets presto, moi, dès que je peux en acheter, j'en ai jamais dans la boutique. Est-ce que vous en avez de temps en temps des tickets presto que vous pouvez acheter en gold? Moi, j'en ai jamais eu, j'ai pas eu de chance. Et Diddy Kong, purée, j'étais max. Les 90 rubis, donc il s'est transformé en or, le Diddy Kong. Et les 90 rubis, voilà. Ça, ça fait plaisir, les amis. Le ticket presto, c'est ce qui me régale le plus. Hein. Putain, si je pouvais en avoir dans la boutique, je serais tellement content. Les amis, c'est la fin de cette vidéo sur la ruée vers l'or, sur la route arc-en-ciel. N'hésitez pas à explosez-moi les pouces bleus, massacrez-les-moi. Et si vous découvrez la chaîne, abonnez-vous et mettez la petite cloche. Ainsi, vous recevrez la notification de mon prochain live pack opening où je vais déglinguer le store de Mario Kart Tour. La bise à tous. Abonnez-vous les amis, c'est le moment des Gertrude bisous pour tous.